J'avais peur que tu ne reviennes pas. Je suis là, mon amour. Tout va bien. Bonjour, Emilio. Comment vas-tu? Un peu mieux, merci. Paola, ma chère. Bienvenue. Merci. Regarde, je ne sais pas quoi faire de cette merveille. Tu sembles aller bien mieux. Même si tu n'es pas tout à fait toi-même. Il y a quelque chose dans ton regard qui... Maman, je t'en prie. Non, ce n'est rien, Carlos, elle a raison. Depuis l'attentat, je ne suis plus la même, Paola. Oh. Oh, mais quelle idiote. Je ne me rappelle plus où j'allais avec cette merveille. Allez, venez. Bienvenue, madame. Merci, Juana. Et... Manuel? Il a eu un petit accident domestique, mais il revient travailler demain, madame. Excusez-moi. Merci. Paola! Mon amour! Quel bonheur que tu sois revenue! Olga, ne faites pas l'entêter. Je pense que vous devriez appeler le médecin. Et je veux pas m'en mêler, madame Olga. Mais vous savez qu'avec la sclérose, il faut faire très attention. J'étais fatiguée à cause de la promenade, rien de plus. C'est bien ça. Oui, d'accord, mais est-ce que quelque chose l'a contrarié? Vous savez que le stress lui fait beaucoup de mal. Mais contrarié de quoi? Ne soyez pas ridicules, tous les deux. Eh bien, je sais pas, mais par précaution, je pense qu'on devrait faire les examens pour voir votre niveau de myéline. Oui, je suis d'accord. Comment ils s'appellent, Paulina, ces examens? Ça me fait très plaisir de voir que tu vas mieux, Paola. Et si tu as besoin de quelque chose... Oui. Monse, elle m'a accompagnée, l'infirmière qui s'occupe de moi. Je sais pas qui l'a engagée, mais Monse est la meilleure. D'accord, d'accord. Si ça te remonte le moral, appelle-la. Merci. Je ne peux rien te refuser. Pardon. Je reviens plus tard. Non, maman. Non. Reste, je veux parler avec toi. À plus tard, j'allais partir. Il n'avait pas ce sourire quand il m'a jeté comme une malpropre. J'ai su ce qui s'était passé. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça. Tu vas prendre parti pour lui? J'ai déjà demandé pardon et j'ai tout rendu. Je ne supporterai plus l'humiliation. Maman, c'est vraiment bien que tu aies accepté ton erreur. Après tout ce qui est arrivé, tout ce que je veux, c'est que la famille reste soudée. Laisse-moi voir ce que je peux faire. Tu ferais ça pour ta pauvre, pauvre mère? Eh bien, je sais que ce n'est pas le moment, mais peux-tu me prêter de l'argent? Oh, maman, je t'en prie. Je viens de revenir. Je vais voir ce que je peux faire. Ça veut dire plutôt oui ou plutôt non? Je sais pas. Je vais voir. C'est plutôt oui. D'accord. Tu désires quelque chose? Oui, t'inviter à déjeuner ou boire un café. Je peux pas, je travaille. Et tu devrais te préoccuper de ton proche. Mon oncle va bien, merci. Oh, mais j'ai mal à la poitrine. Réellement? Oui, tu vas me laisser avec le cœur brisé. C'est d'accord. Mais tu dois attendre que je termine. Je t'attendrai une éternité, mais ne tarde pas. Monsieur Israël Fuentes. Monsieur Israël Fuentes, vous êtes demandé en salle A. Voilà tous les documents sur l'enquête de l'attentat. Je vous le répète, Nava, il s'agit d'une décision du président. Ça n'a rien de personnel. Non, ça n'a clairement rien à voir avec votre esprit d'alpiniste politique. Vous êtes un poète, Nava. J'apprécie beaucoup votre coopération. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Quoi? Restez pas planté là. Molina,
Je veux toutes les vidéos que Nava vous a demandées. Et je les veux aujourd'hui sur mon bureau. Tu m'as quitté quand j'avais besoin de toi. Ouais, je me suis comporté comme un imbécile. Je le sais. Écoute, j'ai jamais eu beaucoup d'amis. Et là encore moins. Mais je me fiais à toi. Je t'ai ouvert la porte de chez moi. Lisette, j'ai cru que ça me ferait rien de savoir que... Mais en fait, si. C'était comme si une énorme pierre m'avait frappé la tête. La seule idée qui m'est venue, c'est de partir en courant. C'est pareil pour moi. Une pierre m'a frappé aussi, mais je ne peux m'enfuir. Tu me donnes une autre chance ? Oui. Mais comme ami. Qu'est-ce que tu lis ? De la psychologie ? Ma mère est accro au jeu, Carlos. Et ? J'essaie de la comprendre. Pardon, je ne devrais pas rire. Ça va paraître bizarre. Mais j'aimerais voir s'il serait possible qu'elle revienne. Eh bien oui, du moment que ça contribue à ton bien-être. Carlos ? Oui ? Tu vas bien ? Tu as l'air un peu... tendu. Oui, le travail. Tu sais que Gemma a démissionné. Comment ? Mais... Pourquoi ? Elle... Tu n'es pas obligé de m'expliquer. Je veux juste que tu saches que... Je te soutiens et je suis là pour toi, comme tu l'as été pour moi. Je veux juste que tu ailles bien. Carlos ? Et si on réactivait le programme créé pour les garderies ? Il faut que je puisse m'occuper l'esprit. Et j'avais déjà prévu des voyages pour réunir des fonds et des soutiens. Attends un peu, on va avancer doucement, d'accord ? Un pas à la fois. C'est une bonne idée, on en reparlera. Tu veux que je te raconte la meilleure blague du monde ? Vas-y, je t'écoute. Tu as vu comment un éléphant se cache derrière une fraise ? Non ? Il est vraiment bien caché, hein ? Bon, on va passer à l'interrogatoire. L'interrogatoire ? Oui. Il y a 2 semaines, une femme est arrivée aux urgences, blessée par une explosion. Son dossier a disparu. Où est-il ? T'es journaliste, quoi ? Oui, en quelque sorte. Alors tout ça, c'était pour me soutirer des informations sur l'hôpital ? T'es une ordure. Oui. Enfin, non. Tu me plais. Et j'adore tes yeux. J'aimerais tant pouvoir... Non, 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 je t'en prie. Aide cet apprenti journaliste. Hein ? Gemma, il faut qu'on se voie. S'il te plaît. Il faut que je te voie. Celui-là ? Celui-là ? Ma chérie, tu dois m'aider à l'enfiler. Ah ! Aïe ! Ah non, ceux-là, non ! On dirait une secrétaire bilingue. En plus, ils sont moches et vieux. Maman, assieds-toi. Pourquoi tu aimes tant vivre dans cette maison ? Comment ça, pourquoi ? C'est évident. D'accord, mais tu n'aimes pas notre maison ? Ça te rappelle de mauvais souvenirs ? Pourquoi cette question ? J'aimerais en savoir plus sur toi. Attends. Tu
sais ce qui me ferait le plus de bien que n'importe quel médecin, mon amour. Une de ces mazamora délicieuses, comme tu sais si bien les préparer. Je veux qu'on soit plus proches, qu'on se parle davantage de nous. Et qu'est-ce qu'on va se dire qu'on ne sait pas déjà? Je sais pas. Je sais pas ce que tu voudras me raconter, maman. Est-ce que tu as pris tes médicaments? Non, et à part ça, j'ai d'autres tenues ici. Oh, mais elles me donnent l'air d'une secrétaire d'hôpital. Chérie. Je t'aime énormément. Énormément. Mon cœur, donne-moi les cachets contre la douleur. Ceux dans le flacon marron. Merci d'être venue. Je ne pouvais pas refuser. Est-ce que tu veux un café? Un thé ou... Je déteste le thé, Carlos. Tu le sais. Oui, oui, pardon. Gemma, je n'y arriverai pas seule. Il faut que tu reviennes. S'il te plaît. Mais Carlos, tu as une équipe d'experts à ton service et personne ne me connaît aussi bien que toi. Non, c'est vrai. Écoute, je parle strictement dans le cadre professionnel. D'accord. Personne ne parlait d'autre chose, Monsieur le Président. C'est une erreur d'avoir cédé au chantage de Fanrul. Non, Gemma, je n'allais pas vous trahir après ce que vous avez fait pour moi. Mais... Gemma, personne n'a ton intelligence, ton instinct, tes capacités ou bien... Comme c'est étrange, les personnes qui viennent de m'offrir un travail ont dit exactement la même chose, avec les mêmes paroles. Mais comment savaient-ils que tu ne travaillais plus ici? La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Reviens. Gemma, on fait une bonne équipe. Ta place est ici, elle l'a toujours été. Aujourd'hui est un de ces jours où je voudrais mettre des claques au président de la République de ce pays. Parce qu'il faut être sacrément effronté pour oser revenir après ce qu'il a fait. Ah, Madame Piedad, je ferais mieux de ne pas parler. Merci. Je n'aurais rien de gentil à dire. Je comprends pourquoi vous veillez sur cette maison depuis tant d'années, Juana. Votre discrétion est à l'épreuve de tout. Mais avec moi, vous pouvez parler de cette araignée grossière. De quelle araignée parlez-vous, Piedad? De celle qui parsème le jardin. De ces horribles toiles. Juana, apportez-moi un thé. Je vais vous le répéter, car vous ne semblez pas avoir compris. C'est très difficile de se débarrasser d'une Miranda. Et avec deux, encore plus. La mauvaise herbe est toujours très difficile à arracher des murs. C'est une plante très têtu. Mais avec de la patience, tout devient possible. Comment Paola s'est retrouvée chez votre mère? J'en sais rien. Mais il faut qu'on aille vite en Colombie. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant que cette ordure de Manuel arrive. On respire mieux sans lui. Il revient demain. Bon, maintenant, racontez-moi, comment ça a été avec Nava? Comment ça a été? Oh, quoi? Arrêtez! L'amour se lit dans vos yeux, racontez-moi. Montsé! Allez, est-ce que vous avez fricoté ou pas? Montsé! Racontez-moi tout, je veux des détails. Tu es folle. Non, pardon, oh, pardon, non. Emilio? Emilio! Viens. Entre. Oui, j'allais justement partir. Pour aller... prendre l'air, excusez-moi. Qu'y a-t-il? Non, rien. Je sais qu'on n'est pas...
Non, bah, je tenais à te dire que... Après tout ça, je te comprends mieux. Enfin, j'essaie d'arrêter de boire. Et toi, tu... Moi, je suis folle. Non, je veux dire... Que tu avais raison. Après tout, on n'est pas si différents. Non, c'est pas nécessaire. Paola, ça va. Non, c'était... Si t'as besoin de quelque chose, je suis là. D'accord. Quelle idiote! Hé, qu'est-ce qui se passe? Du calme! Attends, viens, je m'en occupe, hein. Ouais, tu dois être stressé avec tout ce qui t'est arrivé. Assieds-toi. Je suis sûr que tu redeviendras vite la meilleure cuisinière du quartier. J'en suis sûr. Quoi? J'ai du mal à croire que je sorte avec une fille aussi belle que toi. Et qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour être avec une jolie fille comme moi? Tu serais prêt à retourner au Mexique avec moi? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es folle ou quoi? Et puis quoi encore? Retourner au Mexique après tout ce qui s'est passé? J'ai encore plein de choses à régler. En plus, ils me doivent encore beaucoup d'argent et ça pourrait servir... Tu m'as dit que ce qui était arrivé là-bas était une arnaque de l'organisation. Et tu veux y retourner? C'était une arnaque. Mais j'ai rencontré des gens importants qui peuvent m'aider. Moi, en ce moment, j'ai pas d'argent. On a tout dépensé pour aller te chercher. Il reste plus rien. Écoute. J'aimerais vraiment que tu m'accompagnes parce que... Tu pourrais m'aider à faire en sorte que tout se passe bien, cette fois. Ouais. On n'a pas d'argent. Oh. Ah non? Ben, peut-être que je pourrais emprunter un peu. Vous n'avez pas compris qui est ma fille, c'est ça? Mais bien sûr que je vais vous payer. Je suis une femme fortunée. Inutile de me le rappeler chaque satané jour. Je n'ai pas entendu. Qui? Je n'ai pas besoin d'un service de collecte pour payer mes dettes. Je suis une femme très occupée. Je n'ai pas de temps à perdre avec ces idioties. Ne coupez pas les cuticules. Je passerai quand je pourrai. Oh. Ces gens... Oui, hein? Ils pensent qu'on est tous à leur niveau. Ça va comme ça? Non, vous avez trop coupé, Ara. C'est parfait. Ara, vous faites toujours ça. Ça ne peut pas être mieux. Oh, mais quel crétin! Garde-la jusqu'à... Passe! Mais dégage le ballon pour l'amour du ciel! Osvaldo est bizarre. Il aime le foot. Mais vas-y, fais la passe! Suis la balle, vas-y! Oh, c'est pas vrai! On perd notre temps, l'infirmière n'appellera pas. Tu doutes de mes pouvoirs de séduction? Oh, oui. Mais oui! Oh. Allô? Vas-y! Véro, comment ça va? Mais fonce! Tu as pu obtenir l'info que je t'ai demandé? Chut. Oui. Oui, c'est un ami qui regarde le match de foot. Hein? Salut, grand-mère. Ah, bonjour. Tu arrives au moment idéal pour qu'Ara s'occupe de tes mains, on dirait du papier de verre. Qui est-ce? Fais voir. Personne. Fais voir. Non, allez, grand-mère. Fais voir. Oh, c'est pas possible. Tu vois encore ce gamin? Qu'est-ce que tu lui trouves? Il est insignifiant, il n'est personne. Son papa est dentiste, même pas médecin. Ça pourrait pas être pire. Et il t'a maltraité. Oui, mais... Pas de mais. Si tu joues les paillassons, on te marchera toujours dessus. Pas vrai, Ara? Eh oui. Alors non. La tête haute. La tête haute et le front toujours levé. Tu as de jolis cils. Mais ces sourcils, par contre, mon Dieu, quelle horreur. Je peux les lui épiler. Et occupez-vous de ses cheveux. Mais qu'est-ce qui va pas avec mes sourcils et mes cheveux? On dirait la fille de la femme de ménage, pas de la première dame. Écoute, si tu veux trouver un bon parti, tu dois prendre soin de toi, être plus féminine.
Pas vrai? Mais oui. Elle est loin d'être moche. Je pourrais te couper les cheveux, te faire des mèches, une couleur, un brushing. Willis, il faut que tu prennes conscience de qui tu es. Tu es la fille du président. Tu ne peux gagner gros qu'en misant gros. Pas vrai, Ara? Eh oui. Eh oui. C'est vraiment bien qu'Emilio soit venu s'excuser. Oui, c'était trop mignon. Oui, je savais qu'au fond, il avait bon cœur. Je suis chacun de ses pas depuis sa première communion. Oui, il est toujours dans les revues, à la télé. Avant, il était plutôt moche, de grandes dents. Mais il était gentil. Puis il s'est amélioré. Et depuis, les magazines et la télé ne sortent que des calomnies sur lui. Comme quand cette fille est tombée enceinte au lycée. Et quand il a eu son accident, avec sa grosse voiture, une allemande luxueuse, il s'est planté et a failli se tuer. Oh. Et la fois où il a enlevé ses vêtements pendant un match de foot. Non. Le pauvre, ce jeune Emilio. Personne ne s'occupe de lui. Ah. C'est Facundo, surveille la porte. Qu'y a-t-il? On connaît le groupe sanguin de Paola. AB négatif. Ça coïncide avec le tien. Laisse ça, chérie. Pourquoi tu pleures? Je sais que tu es Paola. Mon autre fille. Oh,